feu d'espérance. Pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes filles chères qu'autre dix fois vieilles artisans de ta grandeur, tous rassemblés, oui, pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Vieux Ivoirien, le pays nous appelle. Nous avons dans la paix ramené la liberté. Notre devoir serait d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant une identité. La nouvelle, la patrie de la fraternité, la patrie de la vraie fraternité. Gouvernement. Évidemment, on ne va pas rentrer dans ces détails politiques aujourd'hui, mais moi je dis les Africains, quand je parle de pauvreté, notre mentalité est pauvre. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous, on fait des élections, on vote des hommes, on les met à la tête de nos nations. Et nous-mêmes, nous contribuons à les fragiliser face à l'Occident. Parce que quand un homme d'État se lève contre certaines choses qui sont faites là-bas, on passe par quelque chose pour déstabiliser. Donc quand on déstabilise, la personne qui est à la tête devient faible. Lorsqu'elle veut agir, on brandit toujours quelque chose. Ah, si vous ne voulez pas ça, nous on fait ça. J'ai vu des moments où je suis parti dans certains pays pour des privatisations. J'ai fait des propositions. Mais un ministre m'a dit un jour, hey, mon frère, ce que tu dis est bon, mais c'est que nous, on a des impératifs qui font qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on cherche toujours les moyens pour nous déstabiliser. Vous savez, quand on nous félicite parce qu'on est démocratique, on est sorti, on a fait du bruit, vous savez, c'est qu'en retour, ils se servent de nous pour fragiliser nos gouvernants. Et quand nos gouvernants sont fragilisés, même s'ils ont des bonnes idées, ils ne peuvent pas les accomplir. Longtemps, la Chine est restée fermée. Les gens ont dit c'est la dictature, c'est ceci, c'est cela. Ils sont restés fermés, mais ça leur a permis de résoudre les contradictions internes. Et ça leur a permis de savoir où ils vont. Par exemple, moi, quand on parle d'entrepreneuriat, mais je dis c'est une injure aux Africains. C'est comme si c'est aujourd'hui, nous, on découvre le travail, on découvre l'entreprise. Les Africains ont... Quelque part aussi, il ne faut pas accuser les gouvernants aussi qui n'ont pas permis aux peuples africains de comprendre une certaine dynamique. Quand vous prenez l'exemple de la Chine, de la Thaïlande, au plan gouvernemental aussi, on a travaillé avec les médias, ouvrir les yeux des gens. Oui, mais je suis d'accord, c'est un ensemble. Quand je parle là, quand je parle par exemple de chacun qui achète 1000 francs de carburant pour se promener et brûler, il faut de la sensibilisation, par exemple. Je parle de l'enseignement. On a souvent parlé du monde asiatique, le Japon, la Corée et la Chine, mais à un moment, ils ont pris des décisions. Et je parle à la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui qui, depuis 1993, a appris de l'activisme, du panafricanisme, tous les ismes. Et cette jeunesse qui c'est une jeunesse qui croit aussi que le mal est politique, donc la thérapie doit être forcément politique. Mais que cette jeunesse ouvre les yeux, que cette jeunesse recherche l'histoire. Nous connaissons des panafricanistes avant eux. Ils ne connaissent pas l'histoire souvent. On a vu des Sékou Touré, on a vu des Steve Biko en Afrique du Sud, on a vu Kwame Nkrumah, on a vu Modibo Keïta, on a vu M. Babo, on a vu
Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi? Donc, ça veut dire qu'il faut changer le fusil d'épaule. Le panafricanisme, c'est comment les Africains vont faire pour entrer dans ce monde de richesse qui fait qu'on catalogue les nations. Est-ce que c'est parce que nous avons dit, ouais, nous sommes ceci, on nous a... Je vous ai dit, le monde, c'est un monde d'injustice. Le monde, c'est la raison du plus fort. Si tu n'as pas compris ça, mon ami, il faut quitter ce monde. Il n'y a pas un monde juste où toi, tu vas dire, on a pitié de toi. Quand on monte sur un ring pour boxer, il n'y a plus de pitié. On donne les coups qu'on peut pour gagner. Alors, quand ton adversaire te donne un coup et tu cries, ouais! Mais l'adversaire, c'est que si je donne un prochain coup à cet endroit, je l'ai. Alors, oh, toi, tu dois serrer les dents pour résister. Et tu sais que... Souvent, le coup est fort, hein, monsieur Jérôme. Oui, mais même s'il est fort, il faut résister parce que tu as été formé pour ça. Alors, donc, quand tu résistes et que tu sais que ça fait mal, c'est là-bas, toi aussi, tu cherches à donner le coup. Les Européens nous ont dominés par la technologie, c'est pas le bavardage. Quand ils venaient en Afrique, ils n'ont pas parlé de politique. Ils sont venus en Afrique avec des fusils et nous, on avait des bâtons. Des flèches. Des flèches. Alors, eux, ils restent au loin, ils tirent, on tombe. Ils tirent, on tombe. On a levé les mains, on s'est rendu. Comment ils ont fait le Japon? C'est par la bombe atomique, sinon ils ne pouvaient pas gagner le Japon. Alors, donc, les Japonais ont compris que c'est par la technologie, les gars ont gagné. Donc, nous allons rentrer dans cette. Vous l'accord? Anthony Gbagbo a fait deux mandats. 55 ans, parce qu'il est resté pendant 10 ans au pouvoir. Et c'est représenté au troisième mandat. Qui a parlé? Gbagbo est en prison à Korogo, en pleine résidence surveillée. Vous avez fait quoi, vous les gars? Gbagbo est à la haie. Vous avez fait quoi, vous les gars? La bouche seulement. Gbagbo est revenu. Vous savez qu'il y a un procès en cours qui est d'actualité. Si on le prend, on le met au trou. Vous pouvez faire quoi? C'est parce qu'on dit le linge sale, cela en famille. Voilà pourquoi son excellence, Alassane Ouattara, vu qu'il a passé du temps là-bas, Gbagbo est revenu, il ne va pas encore le pédaler. Donc il le laisse tranquille. Mais c'est vous-même qui allez faire, c'est lui-même qui va faire qu'il va retourner au trou. Parce que lui, dans sa tête, là, il est tout président. Mais nous, on le regarde. Ça ne va pas passer par nous et on ne va même pas même le mettre en prison. On n'a pas besoin de ça. C'est un opposant, ce n'est pas un président. Sensible, toi, quitte ici si tu ne peux pas supporter. Bon, tu cherches qui a tué. Mais c'est normal, il est en train de se promener, il est en train de chercher qui a tué comme ça. Incohérence, manipulation. Ça, c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est par coup de chance qu'il était président de la République de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas un président. Gbagbo est né pour être opposant. Toujours embêter les gens. Toujours narguer les gens. Ça, c'est Gbagbo. Gbagbo sera jamais et jamais, plus jamais président de la Côte d'Ivoire. Mbeki sera jamais et jamais président de la Côte d'Ivoire. Dans votre hypocrisie de mensonge d'alliance, là, si vous voulez, oh, FPO, PDCIO, mélangez-vous, gauche-droite, mais vous ne pouvez pas avec nous. Il n'a jamais changé. Il manipule tout le monde. Il a manipulé EIV. Il s'est servi d'EIV. Bon, il n'a jamais changé. Il a manipulé les Ivoiriens. Étant opposant, écoutez cette vidéo, vous allez comprendre. La réconciliation de Gbagbo a trois phases. Un, se réconcilier avec Simone EIV, même s'il n'est plus avec elle, concernant le parti. Deux, réconcilier le parti FPI. Et la troisième phase, la réconciliation nationale avec son excellence Alassane Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est son président. Il dit ça, en tant que lui-même n'est pas dedans. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est Gbagbo. Pour endormir les Ivoiriens, il a joué sur les mots et il continue de jouer sur les mots. C'est un calognon, c'est un rancunier. Et il sait ce que je dis. Ce mot-là, on va arriver dessus. Tu les cherches qui a tué, mais tu te rappelles même pas des morts. Tu les cherches qui a tué, mais tu as oublié les ouais. Tu les cherches qui a tué, mais tu as oublié les guerriers. Tu les cherches qui a tué, mais tu as oublié Diokoué. C'est normal. Après avoir fini de pleurer sa maman à maman, mais tu dois aussi pleurer, rendre hommage à ceux qui sont morts par ta faute, Gbagbo. Tu cherches maintenant qui a tué, pourquoi? Réconciliation à tout prix. Fâche ton frère Alassane. Fâche ton président Alassane. Laurent Gbagbo, Henri Konan-Bédié, l'homme que vous avez minimisé, vous avez pensé qu'il ne sera jamais candidat. Il est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. C'est votre président aujourd'hui. Parce que Kagame est le ministre de la Réconciliation. Donc Gbagbo vient là, même si dans son coin, il est resté dans son coin là, Kagame Naka s'est tué pour aller vers lui. Vous avez menti! Ralliez-vous d'abord! Vous n'avez pas de réconciliation là! C'est là toi tu parles de constitution! Tu t'es pas manipulé! Guy Robert, jamais tu vas être président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Bah, tu es venu au pouvoir là, tu n'as rien fait. Béthier est venu au pouvoir là, il n'a rien fait.
toi-même tu as traité de bédier, de chauffeur. La jalousie est trop énorme. Parce qu'ils sont dans une Côte d'Ivoire moderne. C'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils avaient laissée dans la pourriture depuis 1993 jusqu'en 2000 jusqu'en 2010. Bédier et Gbagbo, votre réconciliation que vous avez faite là, ça c'est pas la réconciliation des Ivoiriens. Hein. Parce que vos paroles que vous avez faites depuis fort longtemps, c'est maintenant en train de régler ça. Et après maintenant comploter, aller contre son excellence Alassane Ouattara, votre président de la République. Mais sachez que réunissez même si vous voulez, qui vous voulez, mais vous ne pouvez pas dépasser le RHDP. On regarde le palabre. Nous allons saluer l'arrivée de l'unité au pouvoir. Quel regard jetez-vous sur l'ex-gouvernement dédié? Pour cet éclairage. Le gouvernement ne peut pas, c'est le début du monde. J'ai imaginé à certains niveaux concrets que je ne peux plus là, à gouverner. C'est vraiment mon point de vue. J'ai entendu la place de l'Europe à gouverner que le Cameroun. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés, ruinés, dégradés. Donc, tous les secteurs sont à reprendre. Il n'y a pas de priorité, des priorités comme avant. Tu ne vas pas désormais. Tu dis donne-moi le volant. Donne-moi le volant. Or, tu as besoin de démontrer que tu as 6 000 milliards de dettes. Tu as besoin de montrer ça. Ça veut dire que dès qu'on te donne la voiture, tu nous amènes dans une ligne. L'ivoirité ici, l'endettement là. Nous ne pouvons plus vous donner le volant. Mettez bien dans vos oreilles. Quand Dieu bénit une nation et qu'il met à la tête d'une nation un président fait pour cette nation-là, Dieu bénit cette nation-là. Et c'est ce que vous voyez là. Les constructions, le développement, l'avancement de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Son Excellence Alassane Ouattara a été choisi par Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a de la puissance dans ce que je vais dire. Gbagbo a été mis au pouvoir par coup de chance. Quand du coup de chance là, c'est pas forcément s'élever là comme ça, non. Dieu peut te tester. Et Dieu a testé Gbagbo au pouvoir, à la tête d'une nation. Dieu l'a choisi. Mais vu que Gbagbo étant président de la République de la Côte d'Ivoire, il a préféré prendre le poste d'opposant. Donc Gbagbo était président, mais il était opposant. Et il est toujours resté opposant. Le pouvoir, l'argent, la légèreté, il n'a pas assuré. Voilà comment Dieu a raté. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous habituel de chaque soir, durant lequel nous essayons de nous informer et surtout de nous éduquer parce que c'est ça le plus important, parce que tout esprit qui se veut en évolution doit chaque jour ajouter quelque chose et essayer aussi de partager quelque chose. Comme vous connaissez la méthodologie du feu, la connaissance est comme du feu, c'est la seule chose, plus vous la partagez, plus elle se répand. Et donc, soyons satisfaits de nous-mêmes et surtout, posons des bonnes actions, c'est vraiment très important. Et donc, mesdames et messieurs, nous vous disons extrêmement merci pour les actes de générosité que vous avez manifestés. En l'espace de 4 jours, nous avons pu mobiliser la somme de 514 400 francs CFA pour notre sœur Fofana Mawa, qui est beaucoup connu sur le pseudonyme de Succès. Et nous avons fait ce don-là pour essayer de venir en aide à sa famille et si possible à elle-même, puisqu'elle laisse des orphelins et des petits-enfants derrière elle. C'est ce qui nous a motivés. Et nous nous sommes dit, en toute personne, il faut d'abord voir l'humanité en chacun de nous. Et ne pas être les juges ou les pharisiens de quiconque, mais de poser d'abord la bonne action, parce que la bonne action peut être source de remise en question et peut servir de mécanisme de rédemption à quelqu'un. Et donc, c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Et nous disons merci infiniment à tous ceux et à toutes celles qui ont fait parler leur cœur et qui nous ont fait confiance. Je dis aussi grand merci au roi du printemps, qui a été cette personne-là même qui a initié cette idée. J'ai dit merci au chef de la classe, Bob Max, qui a facilité toutes les opérations en arrière-plan. Il a dit,
éclaireur, allez-y, n'hésitez point. Vous avez toute ma bénédiction et vous avez tout mon encouragement. Ne perdez pas de temps. Allez vite et faites vite. Voilà ce que le chef de classe nous a dit. Et Dieu merci. On a commencé ça, je crois, le dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi. On a pu donc réunir la somme de 514 400 francs. Ben, il y a beaucoup de personnes, en toute sincérité, qui ont souhaité que nous ne disions pas leur nom. C'est vrai. Mais souvent, quand le bienfait est fait, il faut être capable aussi de dire un peu. Et c'est à cet effet-là que je ne dirai pas les noms. Je donnerai peut-être par abréviation, mais je vais citer quelques informations pour que les gens, c'est-à-dire moi-même y compris, puissions prier pour tous ceux qui ont fait des dons. Et donc, nous avons reçu des dons du Burkina Faso à hauteur de 15 000 francs de la part de M. Kamate. Nous avons aussi reçu des dons du Cameroun de la part de M. KTS à hauteur de 50 000 francs CFA. Du côté des États-Unis, nous avons reçu des dons de la part de M. Ouattara DS, qui nous a donné 50 US, de M. Doumbia K, qui nous a remis 100 000 dollars, et s'il vous plaît, 100 US, et de M. Ousseini B, qui nous a donné la somme de 30 US dollars. Du côté de la France, il faut dire que c'est là qu'on a eu le plus d'argent cette fois-ci, et de l'Europe, mais particulièrement de la France. On a eu, que ce soit sur la plateforme ici ou bien sur la page YouTube, les gens du côté de la France se sont largement manifestés. Et il y a Madame Diaby F qui nous a remis la somme de 150 euros. Il y a notre frère bien-aimé, chèrement estimé Yann, qui, en dépit de s'occuper de tout le fonctionnement, a fait don de 20 euros. Nous avons Madame Blanc, la maîtresse des lieux, qui nous a remis 50 euros. Nous avons Madame Savané MS, qui nous a fait l'honneur de nous donner 100 euros. Nous avons Madame Kalogo M, qui nous a remis la somme de 20 euros. Nous avons M. Cissé M, qui aussi nous a remis la somme de 20 euros. Nous avons Koulibaly L, qui nous a remis la somme de 10 euros. Nous avons M. Bamba M, qui nous a remis la somme de 20 euros. Et enfin, du côté de la France, nous avons M. Diakité OS, qui nous a remis la somme de 11 euros. Ce qui faisait un total de 401 euros. Si nous multiplions par la base de 600, ça nous fait 240 000 francs CFA. Et donc, du côté de la France, donc, nous avons pu mobiliser la somme de 240 000 francs. Et du côté des États-Unis, le total faisait 180 US dollars. Multiplié par la base de 500, cela nous donnait 90 000 francs CFA. Et du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons M. Charles L.S. qui nous a bien remis la somme de 30 000 francs. Nous avons notre mère bien estimée, Mme Sila K, qui nous a fait don de 15 000 francs CFA. Nous avons aussi M. Konate L, qui nous a fait don de 30 000 francs CFA. Et notre mère bien-aimée, Mme Nebavi, qu'on ne pourrait cacher, qui nous a fait don de 5 000 francs CFA. Et tout dernièrement, un de nos frères, Diakité AK, qui nous a donné la somme de 5 000 francs CFA. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons avec 90 000 francs CFA. Et finalement, du côté du Canada, nous avons eu des personnes qui ont aussi fait des dons, notamment Mme Keita, qui nous a remis la somme de 50 dollars canadiens, et M. Ousmane AL, qui nous a aussi remis la somme de 20 dollars canadiens, ce qui faisait un total de 70 dollars canadiens, donc 29 400 francs CFA. Et c'est ce tout ce total-là qui revient à 514 400 francs. Et donc, vraiment, nous disons merci à tous ceux et à toutes celles qui ont fait ces dons-là.
Et nous vous disons que les dons, c'est totalement fermé. Ceux qui veulent faire des dons, on ne va plus les recevoir parce qu'on ne pourra pas être là encore pour essayer de penser aux petits détails. Mais nous vous remercions de ce que vous voudriez faire à l'avenir. Et donc, le numéro que nous avions de succès, je crois il y a 2 ou 3 jours, j'ai contacté Ladji qui m'a donné son numéro. Malheureusement, le numéro, depuis hier, nous essayons, son numéro direct ne passe pas et vous savez la raison. Donc, on va essayer à travers l'émission, si vous nous entendez et que vous savez où succès habite et que vous pouvez prendre contact avec ses enfants ou bien même ses parents, on veut rentrer en contact avec ces personnes-là pour leur faire les dons comme il se devra, selon le mécanisme qu'on aura discuté et sur lequel on se sera entendu, les élèves de la classe, nous allons faire les dons de cette façon. Et donc, à tous ceux aussi qui ont facilité les opérations, je veux parler de Yann, je veux parler de M. Walter Otto du Canada et bien d'autres personnes, sans oublier le roi lui-même. Je vous dis merci, je vous dis infiniment merci, parce qu'en réalité, toute chose périra sauf les bonnes actions que nous aurons posées. Et donc, faire du bien ne fait que nous mettre à l'aise vis-à-vis de notre propre âme, mais aussi de satisfaire ceux vers qui ces aides-là vont. Parce qu'une aide n'est jamais venue en retard et une aide est toujours utile, quel que soit le moment. C'est le plus important. Et essayons d'être parmi ceux qui peuvent faire le bien. C'est vraiment une très bonne chose. Et donc, comme je le disais, nous remercions humblement le frère, le roi du printemps, ainsi que notre frère Sundiata, Yann lui-même et notre frère Walter Otto du Canada qui ont pu faciliter tous ces dons-là. Et donc aussi, à chacun, nous avons remis les mécanismes pour que tous les fonds puissent se retrouver, ceux qui sont de la diaspora, c'est-à-dire de la France ou des États-Unis ou du Canada. On va utiliser les mécanismes comme MoneyGram, Western Union et autres, ou bien RIA, pour que l'argent, dans le plus bref délai, soit à Abidjan et qu'on puisse finaliser le processus comme il se devait. Et donc, ce que nous demandons maintenant aux uns aux autres, vu que nous n'arrivons pas à joindre Success elle-même, si vous connaissez ses parents, dites-lui de prendre contact avec Éclaireur Pro Vérité Bis sur notre plateforme ou bien d'aller sur la plateforme. Ils n'ont qu'à regarder les images de succès qu'ils vont voir. Il y a un numéro de téléphone qui est là-bas. Et à partir de ce numéro de téléphone-là, ils peuvent rentrer en contact avec le roi du printemps à Abidjan. Et on va prendre le temps de bien analyser, de savoir qu'on a affaire aux bonnes personnes et de décider du mécanisme que nous ferons. On ne va pas agir dans le vide ou bien par amateurisme, ça c'est clair. Et donc, on va véritablement vérifier qu'on a affaire aux bonnes personnes et faire le don de la manière qu'il se doit pour qu'elle puisse atteindre les véritables personnes. C'est comme ça qu'on fera la chose. Donc, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous le rende en santé, en grâce, en prospérité, pas pour vous uniquement, mais aussi pour vos enfants et pour les postérités. Et surtout au président de la République, sachez que d'une certaine façon, c'est comme si c'est le président de la République qui faisait don de ses 500 000 francs à sa propre fille qui l'a emprisonnée. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit qui ne comprendront pas. Mais dans la vie, on passe souvent par des événements pour nous remettre en question. Et je crois que les événements que notre sœur vit actuellement vont lui permettre d'en ressortir grandi. Et notre sœur Alette Zaté a été condamnée aussi à 6 mois de prison. Nous lui souhaitons vraiment tout le bonheur du monde et qu'elle puisse vraiment purger sa peine avec dignité et en ressortir saine et sauve. Et surtout tirer les leçons des événements qui adviennent dans la vie, c'est vraiment très important. Deuxième sujet, c'est concernant la BHCI et les fonds des maisons à caractère social qui sont toujours bloqués dans les comptes séquestres. Nous n'allons jamais cesser de le dire et surtout d'implorer la clémence du gouvernement à ce qu'il puisse prendre une oreille attentive pour nous écouter et surtout mettre fin au calvaire des Ivoiriens qui par milliers, je dirais même par millions, souffrent aujourd'hui. Depuis pratiquement 4 ans, nous sommes pratiquement la seule plateforme qui essaye de relayer, selon le peu de moyens que nous avons, qui est notre voix, de dire au gouvernement qu'il y a une grande injustice qui est en cours depuis 4 ans. Les usagers de la BHCI qui ont fait confiance en cette banque d'État sont aujourd'hui
privés de leur épargne depuis pratiquement 4 ans. Et cela cause des morts, cela cause des déscolarisations, cela cause des difficultés énormes à des milliers de familles en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 4 ans. Et en plus de cela encore, beaucoup de familles qui avaient pour espoir de pouvoir avoir un premier toit n'ont pas pu. Et malheureusement, ces gens même ont perdu leur fonds alors que ce ne fut point de leur faute. Nous demanderons donc au gouvernement de prêter attention à ces cas-là et de chercher à régler ce problème-là avec une diligence qui ne fera que redorer les blasons du gouvernement et du chef de l'État si on résolvait ces problèmes de la BACI et qu'on remettait aussi l'argent des gens des maisons à caractère social. Ce serait quelque chose qui sera vraiment très apprécié et qui va surtout beaucoup aider actuellement beaucoup de familles, je dirais même des milliers, sinon même des millions de familles. Nous allons tomber dans le vif du sujet pour commencer avec la titrologie du 15 juillet 2021. Il faut dire qu'il est fait écho du refus du ministre de la Justice de donner accès à Laurent Gbagbo aux prisonniers à la Maca. L'ex-premier ministre Charles Kona Bani a donné sa recette pour une réconciliation nationale. Le gouvernement refuse un important déplacement à Gbagbo, titre le journal Soir Info. Gbagbo veut rendre visite aux prisonniers. Le gouvernement dit niet, poursuit le nouveau revers. Le ministre de la Justice refuse que Laurent Gbagbo rende visite aux prisonniers politiques. Se veut plus formel le quotidien aujourd'hui. Pour le journal Le Bélier, c'est plutôt Ouattara qui refuse l'accès des prisons à Laurent Gbagbo. Le régime refuse que Gbagbo rende visite aux prisonniers, ajoute Le Temps. Ouattara déjoue le premier ministre Gbagbo, contredit le journal Le Sursaut. Gbagbo interdit d'aller voir des prisonniers criminels en prison, précise L'Essor ivoirien, qui titrait Gbagbo interdit d'aller voir des militaires criminels en prison. Avant d'indiquer que, face à la provocation et à la défiance de l'autorité de l'État, le ministre Sansan Kambilé tape du poing sur la table et met en garde. L'Inter revient dans ses colonnes sur la réponse du ministre de la Justice au camp Gbagbo. Ouattara, toujours une longueur d'avance sur ses adversaires, s'exclame l'expression. À propos de la réconciliation nationale, l'ancien premier ministre Charles Kona Bani est monté au créneau pour proposer sa recette. La réconciliation est un impératif catégorique, a déclaré l'ancien président du CDVR à la une du journal Aujourd'hui. Kona Bani sort de son silence, répond à Big Togo et rejoint Bédier et Gbagbo. Apprend-on de Soir Info. Bani dit ses vérités au RHDP, croit savoir Le Temps. Et donc avant de continuer, je dirais, Monsieur Bani, rendez-nous l'argent de la CDVR que vous avez volé pour faire votre campagne en 2010. Dites-nous quel a été le bilan. Parce que tout ce que vous avez dit, vous n'avez en réalité rien dit. Et vous êtes activement membre de la coalition de la haine qui est connue. Et quand on dit la vérité, c'est là qu'on vous voit ressortir. Je demande au gouvernement de faire un bilan de la gestion de la CDVR et de rendre ce bilan-là visible par tout un chacun. Et vous comprendrez que vous êtes très mal placé pour venir dire des choses et des contre-vérités en plus. Au-delà de ce facteur, vous dites à tous ceux qui veulent entendre que vous avez remis les conclusions de la CDVR au président Ouattara. Mais ça veut dire que vous avez aussi la même preuve. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre cette conclusion-là à la face du monde? C'est parce qu'en réalité, vous savez que vous n'avez rien fait et vous savez que vous n'avez absolument aucune solution. Et votre réconciliation que vous demandez, si c'est véritablement un impératif catégorique, je dirais même que si c'est aussi catégorique que l'impératif de Kant, Emmanuel Kant, parce que c'est à l'impératif moral de Kant que vous avez pensé en disant ça. Nous vous disons, si c'est véritablement l'impératif catégorique de Kant, essayez
de dire la vérité contre vous-même. Votre CDVR a été un échec. Ça a été une foire à la gabegie, ça a été une foire au népotisme et ça a été une foire à l'enrichissement illicite. Et donc, quels que soient les bords par lesquels vous voudriez prendre cette affaire, si le gouvernement rend compte des bilans de votre gestion scabreuse, vous risquez d'être en prison là où vous parlez. Et donc, on sait aujourd'hui que tous ceux qui veulent la réconciliation, c'est des gens qui savent qu'ils ont commis des crimes et qui veulent un chèque en blanc pour qu'on dise comme il y a réconciliation, donc ne comptons plus. Non. La justice que le président a dit, et il a dit qu'on ira jusqu'au bout et qu'on verra des gens qui nous surprendront, c'est ça qui vous effraie. Et vous ne voulez pas qu'on puisse dire la vérité, mais je crois que le président est le seul qui trace les lignes. Il a créé un ministère pour la réconciliation et la justice fera son travail parce qu'elle n'a jamais été autant libre qu'à l'époque de Ouattara. Et la justice va inquiéter tous ceux qui pensaient que la réconciliation serait un nouveau argument, un nouveau passeport pour leur crime, pour pouvoir revenir sur la scène politique. Hélas, je vous dis malheureusement, vous avez tiré une balle dans vos pieds. Voilà. Et donc tout ce que vous dites, ce sont des paroles de haine, mais qui ne font pas écho parce que personne ne vous écoute en réalité. Quand pour le journal Notre Voix, Bani récate fermement Big Togo. Et pourtant, Big Togo n'a pas encore fini de parler, prévient le matin, avant de révéler. Voici le vrai deal qui fait courir Gbagbo et Bédié. Pour le Bélier intrépide, Bédié et Gbagbo, ce duo qui fait si peur au RHDP avant de poursuivre. Ouattara pris à son propre piège. Bani sort de sa réserve et répond à Big Togo. Sam l'Africain s'adresse à Adama Big Togo dans la colonne du journal Le Temps. Votre sortie est incongrue et inutile. Gbagbo Afi, ce qui se passe, explique l'Inter. Afi, malgré le retour de Laurent Gbagbo, ne veut rien lâcher, croit savoir le matin. Pour une réunion de haut niveau, 14 chefs d'État de gouvernement à Abidjan aujourd'hui, indique le confrère. Bédié, un échec ivoirien, tacle le journal Le Patriote. Comment Bédié a été constant pour la paix et la réconciliation, réplique le journal Dernière Heure. Deuxième sujet. Comment comprendre en trois points le sommet IDA, ou si vous voulez IDEA 20, les pays en extrême pauvreté. L'IDEA, qui signifie Association internationale de développement, le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres, a l'habitude de se rencontrer et de se reconstituer et mobiliser ses fonds chaque 3 ans. L'IDEA est l'une des principales sources de financement de lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus déshérités du monde. La dernière mobilisation, la 19e, dénommée IDEA 19, avait un objectif de mobiliser 82 milliards de US dollars pour les pays pauvres, démarré en 2020 et un cycle de 3 ans. L'idée d'un cycle anticipé pour l'IDEA 20 est venue avec l'effet de la COVID. Les thèmes de l'IDEA 19, le changement climatique, la fragilité, le conflit et la violence, l'égalité homme-femme et l'emploi et la transformation économique. L'IDEA 20 financera les thématiques suivantes: l'anticipation des crises, la soutenabilité et la transparence de la dette, la gouvernance et les institutions, la technologie et le capital humain. 14 chefs d'État et de gouvernement seront à Abidjan pour discuter de l'IDEA 20. Les priorités de développement, l'impact de la COVID-19, le plan de relance économique, les besoins de financement des États, le rôle de l'IDEA 20 et le partage d'expériences. Prendront part à cette réunion de haut niveau, aujourd'hui même, le Bénin, le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Niger, Rwanda, Sénégal, Soudan et le Togo.
Le docteur Samuel Maté soutient que les pays africains doivent minimiser, voire même éliminer, la voie des dettes et que leur développement est impossible sans un changement de mentalité individuelle en Afrique. Son programme Africa 5.0 propose une solution pour initier ce changement de mentalité. Et donc, vous voyez, quand on vous dit que la Côte d'Ivoire véritable est en marche avec le président, vous croyez que si on avait un impératif de réconciliation, les chefs d'État et de gouvernement vont venir de tous ces pays-là, vont venir se mettre en danger. Et donc, les gens qui parlent de réconciliation perdent leur temps. Nous passons au troisième sujet, une plainte pour m'intimider. C'est un article de Saïd Penda. J'ai reçu une plainte de M. Lansine Diaby hier mercredi pour un procès prévu le vendredi 27 juillet à 8h au palais de justice d'Abidjan au Plateau. Le directeur général du fonds d'entretien routier de Côte d'Ivoire estime avoir été diffamé par mes différents écrits et c'est son droit. Depuis près de trois décennies de métier, comme journaliste de la BBC, ceux qui veulent en français BBC, et comme correspondant de l'agence de presse américaine Associated Press, j'ai subi des bastonnades de la police et des interrogatoires serrés des services de renseignement au Mali sous le régime du président Alpha Oumar Konaré. J'ai été emprisonné au Congo-Brazzaville sans motif et libéré avant d'être expulsé manu militari de ce pays. Mon investigation sur la vente d'armes à la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo par le gouvernement Mbeki, alors même que le président sud-africain, médiateur dans la crise ivoirienne, était tenu par la stricte neutralité, m'a valu de prendre des mesures de sécurité exceptionnelles pendant plusieurs semaines dans le pays d'Afrique australe. J'étais alors correspondant de la BBC. Quand je dis BBC, je lis en français, sinon c'est British Broadcasting Corporation, BBC, en Afrique du Sud. Et en conséquence de mon investigation sur cette vente d'armes, la rébellion ivoirienne a récusé Mbeki comme médiateur. Alors, s'il s'agit de m'intimider et m'empêcher de continuer à investiguer sur l'opération main propre déclenchée par le président Ouattara, c'est raté. L'enjeu du procès intenté contre moi, ce sera le droit des journalistes d'investigation à ne subir aucune pression, même pas judiciaire, dans l'exercice de leur métier si difficile, dans le seul but de décourager l'enquête journalistique. Car à la vérité, il aura d'un côté un journaliste d'investigation engagé qui se bat pour dévoiler les détournements de deniers publics et un dirigeant d'une structure publique qui fait actuellement l'objet d'enquêtes sur sa gestion. Ce qui est vrai, nota bene, jeudi soir, c'est-à-dire aujourd'hui soir, Inch'Allah, je publierai mon analyse sur l'opération main propre. Et le thème Inch'Allah vient de l'arabe qui signifie s'il plaît à Dieu. Voilà. Et donc, c'est notre frère Saïd Penda qui s'exprimait ainsi. Et comme je vous le disais, nous attendons de voir la suite. Mais je crois aussi que les différents concernés, je vais dire le DG du FER, auraient pu quand même attendre, ça c'est mon avis, la fin du processus avant quand même de poser une plainte. Ça c'est mon avis, c'est pas forcément ce qui est vrai. Et j'aurais souhaité que, comme disent, tout le monde le dit, qu'on laisse les enquêtes se passer et que les conclusions donneront raison. Je crois que c'est mieux. Et je crois que pour Saïd, qui est un journaliste d'investigation, je le vois mal en train de parler sans vraiment des preuves assez solides. Mais nous espérons voir cette situation. Et malheureusement que cette situation est déjà arrivée en justice, on ne peut que souhaiter voir la manifestation véritable de la vérité. C'est aujourd'hui ce qui est important pour nous les Ivoiriens. Et donc, nous souhaitons vraiment comprendre de quoi il s'agit dans cette histoire-là. Mais surtout, nous nous mettrons du côté de la vérité, sans regarder les yeux de qui que ce soit. C'est ça qui est important pour nous. Quatrième sujet, ça c'est un écrit de l'éclaireur Pro-Vérité, qui a pour titre « Peut-on bâtir une nation dans le désordre ?» C'est une question. L'histoire de l'humanité nous enseigne que toutes les sociétés qui ont connu le développement, la stabilité et le progrès,
ont dû adopter des changements radicaux dans les mentalités. Dans le contexte particulier de la Côte d'Ivoire, peut-on estimer que nous sommes en voie de bâtir une nation forte, prospère et stable? Malheureusement, ma réponse sera la négative. Divers maux minent notre pays. Corruption, clientélisme politique, tribalisme, népotisme, injustice sociale, criminalité politique, grand banditisme, et j'en passe. Tous ces ingrédients ci-dessus représentent tous des bombes à retardement qui tôt ou tard nous exploseront dans les visages si des mesures fortes ne sont pas prises. Pour ma part, j'estime que nos dirigeants actuels ont une chance historique de corriger beaucoup de ces failles. D'abord, nous devons encourager les tenants du pouvoir à insister sur les questions de justice. De nos jours, quand nous assistons à des libérations de détourneurs de fonds publics, des auteurs du CNT et autres scélérats, cela donne froid dans le dos. Être politicien en Côte d'Ivoire donne-t-il droit à un passeport pour les crimes d'État? Si nous continuons à bafouer les décisions de justice avec des arrangements politiques, cela finira par discréditer l'institution judiciaire en lui faisant perdre toute sa véritable raison d'exister. Il faut donc avoir définitivement le courage de rechercher, juger et appliquer les sentences de justice dans leur plus grande rigueur. Nul ne doit être au-dessus de la loi et elle doit inspirer la peur et la rigueur à tous, sans exception. Secondo, parlons des légèretés de toute notre classe politique ivoirienne. Jusqu'à quand nos concitoyens vont-ils s'accommoder de politiciens immatures, sans programme de société? Pour un bon nombre d'entre eux, seul le tribalisme, les raccourcis douteux qui mettent la vie des populations en danger compte. Que valent des hommes politiques sans valeur morale et sans éthique? D'ailleurs, chez nous, la rouble à dise, les tontines politiques et les messages de haine sont vus comme des choses normales. Pendant qu'on soumet le petit voleur du quartier à la vindicte populaire, nos hommes politiques se permettent toutes sortes de péchés, même les plus inimaginables. Il faut en finir avec cet état de fait en imposant un minimum de code de conduite morale et éthique à tous ceux qui veulent animer la vie politique de notre nation. Les décideurs publics doivent recadrer sèchement et rapidement les politiciens déviants, fussent-ils au pouvoir ou opposants. Tant que nos politiciens n'auront pas su qu'ils ont des limites à ne pas franchir, ils se permettront toutes les hérésies possibles. Tertio, il faut aussi critiquer sans embâche l'indolence et le manque de responsabilité de nous, les populations. Voici des citoyens d'un pays qui se font massacrer à chaque échéance électorale. Mais nous continuons à tomber dans les mêmes erreurs. Par faiblesse d'esprit, manque de réalisme, nous servons de relais à des intérêts politiques. Pendant que ceux-ci nous utilisent pour nous massacrer entre nous, leurs enfants font la grande vie dans les capitales occidentales les plus cossues. Conséquence, c'est toujours nous, les militants RHDP, FPI, PDCI, qui demeurons les grands perdants, avec à la clé des séquelles indélébiles comme des mutilations, des tueries de masse, des traumatismes cruels et j'en passe. Il nous faut impérativement changer nos mentalités. Un peuple qui ne change pas ses mauvaises pratiques est voué à la disparition. En définitive, disons que notre société ivoirienne a du chemin à parcourir, tant du côté des politiques que des populations. Il va falloir que chacun fasse sa mue avec une bonne dose d'objectivité et de sincérité. Tant que nous, nous refuserons à cet exercice, on sera malheureusement condamné à revivre les mêmes cycles de fatalité en Côte d'Ivoire
et partout en Afrique de façon globale. Source éclaireur Pro Vérité. Cinquième et dernier sujet, le Soros Show, l'apologie du mal. Que désirent en réalité les opposants ivoiriens avec à leur tête Gbagbo, Bédié et Soro Guillaume? Toute la Côte d'Ivoire sait aujourd'hui que les opposants de notre pays ont érigé leur perversité en véritable système philosophique. La monstruosité morale des personnes citées ci-dessus nous conduit à avoir de sérieux doutes sur l'avenir de la patrie, surtout que certains citoyens voient en eux des modèles qu'ils vénèrent dans un extrémisme borné. Voilà des gens qui outrepassent toutes les limites des critères acceptables de l'humanité pour tomber dans l'inhumanité affreuse. Comment peut-on laisser libre cours à des criminels, des génocidaires pervers dans une république, et cela depuis presque 30 ans? L'on serait même tenté de se poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait défaut chez nos opposants que sont Bédié, Gbagbo et Soro? La réponse est malheureusement toute simple. Ils n'ont aucune pitié à l'égard du peuple. Ils sont même prêts à conduire le peuple dans les flammes de l'enfer pour satisfaire uniquement leur ego et leur vanité. Ces larrons veulent renverser les valeurs morales de notre société que sont le bien, la paix, le progrès, le vivre ensemble, en nous imposant leur volonté de transgression pour perpétuellement maintenir le pays dans la guerre, dans le désordre et la promotion des vices. Ce n'est pas uniquement sur Dieu que nous, le peuple et les personnes sensées, devrions placer notre espoir. Il faut que nous nous levions pour mettre fin à ces barbares du 21e siècle que sont les opposants ivoiriens. Si nous refusons de nous lever et de faire face à ces malfaiteurs, quel mérite aurions-nous à espérer des faveurs divines? Tous ensemble, disons non à Soro, Bédié, Gbagbo, Blé, Simone et bien d'autres. Enlevons-les leurs masques et faisons tomber leur arrogance et leur sottise. Ces individus exécrables ne peuvent pas être plus forts que 26 millions d'Ivoiriens. La balle est dans notre camp et n'acceptons pas de vivre éternellement en masochiste, ou tout au moins ne condamnons pas les générations futures à subir les conséquences des méfaits de M. Bédié, Soro, Gbagbo et autres scélérats de la cité. Ne vivons pas comme si nous étions des personnes inutiles sur la terre. Il faut lutter. Nous sommes condamnés à lutter contre le mal sous toutes ses formes pour maintenir la confiance en la vie. Auteur, si vous voulez, source, éclaireur pro vérité. Et donc, quand nous en avons fini, je vais passer à notre éditorialiste, notre mère, Madame Blanc, qui va aussi lire son éditorial. Et donc, après ça, ceux qui veulent poser des questions, vous aurez toute la plénitude de l'opportunité pour poser vos questions. Oui, allô? Oui, bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Surtout, merci pour tous les dons. Donc, Non. Pas de quoi, okay, pas de quoi. Merci beaucoup. Oui, okay. Donc, je commence? Oui, vous pouvez commencer. Oui, je reviens un peu en arrière pour dire qu'en 1946, en fait, Oufoué fait partir par voie maritime 148 enfants dans l'espoir que ceux-ci bâtissent une société ivoirienne moderne, une sorte d'intelligentsia ivoirienne. Cette année-là, un petit garçon faisait ses premiers pas, quelque part dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, un pays gros. Ce soir, nous allons nous intéresser à Gbagbo Laurent, l'itinéraire politique d'un narcissique contrarié. Les chemins qui mènent au pouvoir sont nombreux.
l'on peut être un charismatique self-made man comme Félix Houphouët-Boigny, ou un homme très instruit, génie dans son domaine où il excelle, tel que son excellence Alassane Dramane Ouattara. Cependant, nombreux viennent au pouvoir pour réparer une humiliation originelle, personnelle. Ou alors, ils se mandatent de venger un tort fait au leur, comme Laurent Gbagbo. Comment pensez-vous que le sieur Gbagbo a vécu avec son état d'enfant illégitime qui lui colle à la peau, en plus du fait que Kragbe Niagbe appartient à son groupe ethnique? Toute sa vie de jeune homme, Laurent Gbagbo la consacrera à humilier le vieux Houphouët, son adversaire, et adversaire aussi de feu Kragbe Niagbe. C'est lui qui, à défaut d'obtenir le multipartisme, voulait faire sécession avec le PANA, le Parti Nationaliste de Côte d'Ivoire, avec pour République les Burnies. Gbagbo avait 25 ans, Kragbe meurt. Ainsi donc, très tôt, Laurent s'est vu comme le Messie qui allait laver son peuple et, lui-même de cet affront. Qu'à cela ne tienne, il deviendra enseignant d'histoire. Il en profitera pour inculquer à ses élèves la haine d'Houphouët-Boigny sous le couvert du multipartisme. Le syndicalisme lui servira d'arme pour atteindre son objectif. Il instrumentalise l'UNESI, l'Union nationale des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, mais avec aussi le CINARES. Avec le CINARES, disons-le, le verre était dans le fruit. De mémoire d'Ivoirien, on a rarement vu le milieu étudiantin autant en ébullition. Comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est avec Gbagbo Laurent, membre du CINARES, que nous connaîtrons l'année blanche et beaucoup d'autres tristes terminologies. La FESI, l'autre bras armé du CINARES, pour dire que la ruine de l'école ivoirienne est le fait des enseignants eux-mêmes, avec à leur tête le couple EIV et Laurent. Et ça depuis les années 1980. En 1990, à la faveur de la chute du mur de Berlin et le vent du multipartisme qui souffle, il en profitera de cette manne. Sa prière venait d'être exaucée. Il sera élu président de la République en octobre 2000. Il s'y maintiendra jusqu'en avril 2011. S'il manie la roubladise mieux que quiconque, il sera en défaut. L'histoire retiendra qu'il fut le président le moins talentueux. Tel un voyou, il a connu de nombreux séjours carcéraux, dont le plus long se fera à La Haye, où il sera confronté encore une fois à la douloureuse question filiale. Il dira « Koudou aussi est mon nom ». Toute sa vie, Gbagbo agit que pour sa propre personne, comme le narcissique qu'il est. La dernière personne à être sacrifiée sur l'autel d'Eros, le dieu de l'amour, est son ex-future épouse, Dame Eivé, répudiée violemment pour une autre. Merci beaucoup, éclaireur. Madame Blanc, c'est nous qui vous disons merci. Et surtout, oui, merci pour ce rappel historique qui nous conduit à comprendre que l'histoire est importante en ce sens que vous pourrez savoir qui choisir pour l'avenir. Et si on choisit toujours des gens qui sont des perdants, on condamne le pays à être un pays qui va tomber dans les abîmes. Mais il faut toujours être du bon côté de ceux qui savent réaliser des bâtisseurs, comme Alassane Dramane Ouattara, c'est ce que nous retiendrons de ce que vous avez dit. Oui. Et vraiment, merci beaucoup pour ce rappel-là, pour ceux qui veulent vérifier l'histoire de la Côte d'Ivoire pour savoir qui est qui. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, éclaireur. Merci. Je vous passe une très bonne soirée. Yeah. Donc, chers auditeurs, nous en avons fini avec les éditoriaux. Et tous ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez maintenant poser vos différentes questions. Et donc, la ligne est totalement ouverte. On attend vos différentes interventions. Et donc, le plus tôt sera le mieux. Tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez déjà vous signaler. Et une fois que vous appelez, vous serez dans la liste des appels. Et on aura une idée et on pourra faire avec. Et donc, on n'attend plus rien que vos différents appels. Il y a notre frère Meïté Meïté qui demandait que Gbagbo serait en lice pour le prix Nobel de la paix. Je crois que c'est un non-événement et eux-mêmes, ils savent aussi que ce n'est même pas
En fait, c'est des gens qui savent qu'ils n'ont plus d'auditoire. Et donc, il faut essayer par tous les moyens de se donner une certaine importance, comme s'ils en valaient la peine. Mais allez lui dire que quelqu'un qui, tous les services de renseignement, des représentations diplomatiques, savent que Bédier et l'ambassadeur de France et des États-Unis en octobre passé étaient chez lui là-bas lorsqu'il était en résidence surveillée. Et donc, ce seul fait même disqualifie déjà Bédier. Je ne parle même pas de l'histoire. Je parle même des faits historiques. Et pardon, des faits les plus récents, ça disqualifie complètement Laurent Gbagbo. Et donc, pour nous, c'est un non-événement. Et Monsieur Bédier, donc c'est un non-événement qui n'a vraiment pas son sens. Mais comme ça peut leur faire plaisir de se blaguer eux-mêmes, c'est leur droit le plus absolu et nous ne pouvons que leur concéder cela. Salam alaikum, salam. Comment allez-vous? Je vais bien, chez toi. Oui, ça va. Hey, ouais, j'ai une question par rapport à Madame Blanc. Où elle a dit que Kamui Nyamboué ou Akoua, là, je ne connais pas pourquoi il était sur Yobu, Babo, il a mis ça dans sa tête pour faire son histoire pour se venger. Bon, en fait, voilà. En fait, Kamui Nyamboué. Kragwe Nyagwe vient de la même tribu que Laurent Gbagbo. Et donc, si je ne me trompe pas de date, c'était je crois en 1946. Si je peux me tromper des dates, je crois que c'est la tribu des Nyabwa. Et donc, lui, il va vouloir lutter contre le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Je peux bien me tromper des dates, les auditeurs, vous me corrigez. Mais je suis en train de raconter l'histoire globale. Et donc, il va chercher, il va chercher à s'opposer à Houphouët. Et Houphouët va lui proposer même d'être ministre parce que à l'époque, vous savez qu'on était dans le parti unique. Ce contexte-là est très important. Si vous ratez ce contexte, vous ne comprendrez rien. Et donc, Houphouët lui dit, tu veux être opposant, il n'y a pas de problème. Mais viens d'abord faire tes preuves à travailler dans le gouvernement et à apprendre auprès du gouvernement. Kragwe Nyagwe estimant qu'il peut vraiment porter atteinte à l'État, parce que je saute beaucoup de détails, je saute vraiment beaucoup de détails pour faciliter la chose. Donc, il va s'opposer et créer des milices et demander, voilà la réalité, et demander à ce que le PANA, tous ceux qui se reconnaissent dans le PANA, puissent tuer tous les autres Ivoiriens. Voilà, c'est la même chose que Laurent Gbagbo fait. Laurent Gbagbo ne se trompe pas, c'est son maître qui est. Il dit, tous ceux qui, s'il y a des parents qui sont là, je vous prie, faites à cause de Dieu ou des personnes âgées, sortez pour venir dire si ce que nous disons est faux ou même si c'est vrai. Parce que c'est très important devant l'histoire. Et donc, il va dire, tous ceux qui ne sont pas de leur tribu, il faut les tuer. C'était en 1970. C'était en 1970, c'est pas en 1946 comme je le disais. Et donc, quand il va commencer ça, Houphouët va procéder par plusieurs mécanismes pour essayer de le calmer et de ne pas aller à la confrontation et de ne pas tuer des Ivoiriens. Mais plus Houphouët faisait des faveurs pour créer des conditions de discussion, Houphouët a amené plusieurs fois des gens vers Kragwe Nyagwe pour discuter avec lui. Mais le monsieur, il a pris goût en pensant que c'était la faiblesse de l'État. Et Houphouët va organiser et voilà, sa tribu, c'était les Guébiers. Voilà, les Guébiers, et c'était en 1970. Merci beaucoup pour les détails. Voilà. Et donc, Houphouët va organiser une rencontre et il va dire à ses généraux et à ses grands décideurs du parti unique, il dit sincèrement, moi, Houphouët, si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais jamais salir ma main. Mais il faut qu'on trouve une solution parce que nous voulons construire une nation et on veut un pays où tous les fils et toutes les filles vont vivre en unité et en harmonie. On ne peut plus continuer avec ça. Et c'est là maintenant que Kragwe Nyagwe, ayant tellement pris plaisir, quand ils ont commencé à attaquer les autres populations de la Côte d'Ivoire,
le gouvernement ivoirien, et ils ont, dans un premier temps, ils ont créé, quand ils se sont séparés, ils voulaient prendre leur région comme un pays dans la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle la République des Burni. Et donc, ça, c'est un affront. C'est un affront à tout gouvernement qui se respecte. Et on a un monsieur qui est un de nos papas qui dit: j'ai connu Kragbo Niagbe en 1967 à Daloa lors de la fête de l'indépendance dans cette ville. Et donc, voyez-vous. Et donc, quand le gouvernement va intervenir face à tous les excès de ce monsieur-là, malheureusement, ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que ce monsieur n'a pas utilisé son intellectualisme, le savoir qu'il a appris chez les Blancs, pour essayer d'aider ses propres parents, mais il a condamné ses propres parents en les mettant contre la République. Et quand l'armée est venue pour défendre la République, j'ai dit bien la République, ça n'a pas été fait dans la dentelle, et il y a eu beaucoup de morts. Mais c'est Kragbo Niagbe qui est le premier responsable de ces morts-là, parce qu'il a provoqué une situation pour soumettre ses parents à la mort, et toutes les négociations qui ont été ouvertes, il n'a jamais voulu accepter. Et donc, malheureusement, Laurent Gbagbo, à l'époque, avait 25 ans. Et donc, lui va grandir avec cette idée-là. Et c'est pourquoi il va répéter les mêmes choses comme Kragbo Niagbe. Vous vous souvenez de la vidéo où Oufoué, c'est ce que les gens voient, mais Oufoué plusieurs fois a dit à Laurent Gbagbo: viens apprendre dans le gouvernement. Tu veux être opposant, c'est vrai. Tu connais ce que tu penses connaître, c'est vrai. Mais la gestion du pouvoir, ce n'est pas quelque chose... On n'est pas avec ça. Il faut que tu apprennes. Chaque pays, c'est comme une femme. Un homme qui a marié deux femmes, s'il est mentalement posé, il a une meilleure expérience que quelqu'un qui a marié une femme. Et c'est si ça. Quelqu'un a marié quatre femmes, lui connaît plus les femmes que celui qui a marié deux femmes. Chaque pays est différent. Chaque pays est différent. Dans la gestion de chaque pays, il faut que tu apprennes. Il faut que tu approches ceux qui ont déjà dirigé ou bien qui dirigent le pays pour qu'on te dise, bon, dans ce pays-là, si tu veux qu'on fasse, aux États-Unis par exemple, ici, là, le code de la bombe nucléaire, là, c'est le président seul avec quelques rares personnes qui connaissent. Donc, le jour qu'on dit que tu es président des États-Unis, là, on te fait asseoir par terre, comme on le dit chez nous, on te fait asseoir par terre. Et puis on te dit, bon, tu vas venir à l'école. C'est pourquoi ici aux États-Unis, quand on vote un président, c'est en novembre. Et après novembre, il y a un moment de transition. Et dans ce moment de transition-là, la nouvelle équipe est mise en place. Et on vous fait asseoir par terre. Et puis on vous dit, bon, voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se passent. Voilà ce qu'il faut faire. Et bon, écoute, voilà ce que le peuple veut. Voilà les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà comment le monde fonctionne. Voilà ceux avec qui on est d'accord. Voilà ceux avec qui on n'est pas d'accord. Voilà ceux avec qui on essaye d'être d'accord. Et donc, tout ça, là, il faut connaître ça. Mais Laurent Gbagbo va refuser et il plie son pied, il met ça et puis il regarde le vieux au fouet et puis il rit. Lui, il est devenu grand type. La même arrogance de Kragbo Niagbe. Et Oufoué, finalement, il va faire du bruit, humilier Oufoué, Oufoué va mourir. Mais la plus grosse plaie de Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'a jamais appris à connaître que la politique, c'est quelque chose qui s'apprend. Laurent Gbagbo dit qu'il est un politicien, moi je dis que c'est un comédien. C'est un comédien, pourquoi? Parce que la guerre du Guébié entre 1967 et 1970, s'il avait, comme lui-même le dit, une bonne connaissance de l'histoire, il allait s'asseoir et puis se dire que les mêmes choses produisent les mêmes effets, et donc pourquoi ne pas changer de stratégie? Mais il a continué dans ça. Et il s'est dit quoi? En se foutant de tout le monde, il va réussir. Il faut, puisqu'il a pu se foutre d'une partie de la population de la Côte d'Ivoire, il fallait aussi répandre ça sur toutes les autres partie de l'Afrique, en s'attaquant vulgairement aux pays limitrophes. Or, la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, il y a des liens qui sont entre nous et ces pays-là. Et puis, ce n'est pas seulement des liens historiques ou bien des liens géographiques. Il y a des liens même spirituels entre nous et ces pays-là.
La soeur, je vais te dire quelque chose. Le canal de Vridi, là. Le canal de Vridi, là, si on te donne la vraie histoire, quand Oufoué est allé signer le protocole avec les Blancs et puis le Moro Naba, le nombre de Burkinabés qui est mort pour creuser le canal de Vridi, là, si quelqu'un te dit que c'est, si quelqu'un te dit que c'est 200 000, c'est 100 000, la personne t'a menti, on ne connaît pas le nombre. Mais ils n'ont jamais demandé 5 francs en retour. Mais il y a un autre secret. Le fonds, normalement, après ce travail-là, il y a eu un fonds qui devrait être donné au Burkina, mais Oufoué a bloqué ça. On a pris ça pour développer aussi la Côte d'Ivoire. Et donc, au-delà des aspects historiques, ça devient une dette morale et une dette spirituelle. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. C'est Burkinabés qui sont morts en Côte d'Ivoire. C'est Burkinabés que vous voyez aujourd'hui là. C'est nous-mêmes, à un moment, pour développer la Côte d'Ivoire, Oufoué a dit, quand nous on était petits là, on a vu Oufoué dire que la actuelle. C'est ben, ça. Ben, à un certain moment, ils ont quand même un minimum de droits humains. Et quelle est en réalité la différence entre un Africain du Burkina, un Africain du Mali et de la Côte d'Ivoire? On partage les mêmes langues, on partage les mêmes cultures, on partage même globalement la même histoire. Pourquoi ne pas vivre en tant que des frères? Mais à un moment, Bédier va commencer sa chasse à l'homme. Et lui, Babo, l'historien, va revenir. Il ne fera que rendre ça beaucoup plus difficile. Et il va encore créer la division et le désordre dans ce pays-là, pensant que en faisant ça, lui sera l'homme le plus fort et que c'est ce qui va faire que les gens auront peur de lui. Et nous le disons clairement. Quand Laurent Gbagbo est allé dans ses exagérations, il a forcé le Burkina et tous les pays limitrophes à aider la rébellion à le mater correctement. Ça, c'est un fait. Non, mais on ne cache même pas. Tout le monde sait ça. Mais les Burkinabés l'ont appelé pour lui dire « Viens négocier ». Il dit « Négocie pas ». Parce que lui, il est trop fort. Mais quand ils l'ont maté, ils ont pris le petit Sorogion pour jouer petit poteau avec lui en face de tout le monde. C'est ça aussi la vérité de l'histoire. Et donc, malheureusement, l'historien qui ne prend jamais les leçons de l'histoire devient comédien. Et c'est ce que moi, je retiens de l'homme. Et l'histoire continue. Ceux qui veulent travailler, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, sont en train de travailler et ont compris. Et Alassane aujourd'hui profite bien des erreurs de Laurent Gbagbo et il arrive quand même à bien faire son travail. C'est ça qui est le plus important et nous en sommes heureux et la Côte d'Ivoire est en paix. Merci. Moi-même, je vois qu'il n'est pas surprisé parce que le FD demain dit que nous, on n'est pas là à l'école, on ne connaît rien là, mais on est mieux que lui parce que notre papa là, on est tout, il est civilisé. Parce qu'il fait avec Palabra et Bouy là, il ne fait pas ça. Alhamdulillah. J'ai bien compris l'histoire, vraiment. C'est même. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Et il y a quelqu'un qui demandait, Monsieur Leclerc, est-ce que vous pensez que c'est l'ensemble de toutes ces malédictions qui pèsent sur la Côte d'Ivoire? Je dirais oui, en partie, parce que en réalité, les gens qui savent voir au-delà de ce qui est ordinaire comprennent qu'il y a une conséquence dans le champ spirituel, globalement comme individuellement. Et il y a des actions qu'on ne pose pas. Et aujourd'hui, on pouvait bafouer tout le monde, mais on n'aurait pas dû bafouer les Burkinabés. Aujourd'hui, il fut un temps en Côte d'Ivoire où même pour dire que quelqu'un même n'est même pas un être humain, on dit « Ah, Gawa là, Burkinabé là, Mossi là. » Alors que c'est ceux-là même qui ont donné, qui ont vendu de leur vie pour aussi construire la Côte d'Ivoire. Et ce sacrifice-là, c'est comme un parent qui a donné tout à son enfant. Mais l'enfant, quand il grandit, il dit à son parent, mais toi, tu es un idiot, hein? Moi, je vais prendre ma vie parce que moi, je vais bien vivre. Le fait de ne pas respecter la souffrance du parent et de ne pas reconnaître, tôt ou tard, c'est des choses qui vont te rattraper. Et ce sont ces choses-là qui rattrapent Laurent Gbagbo aujourd'hui, tout comme les humiliations qu'il a fait subir à Oufoué. C'est lui qui disait aux gens que Oufoué chiait dans sa culotte, qu'Oufoué avait la prostatite et autres, tout. Plein de choses. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux te moquer de tout chez un être humain, mais il ne faut jamais se moquer de la mort et de la maladie. C'est ça. Tu peux te moquer de tout, mais quand tu te moques d'un malade, parce que la maladie, on ne la paye pas ou bien on ne souhaite pas tomber malade. Ainsi en est-il de la mort. Et donc aujourd'hui, que lui-même il se regarde à 75 ans, où il y a des gens même qui font gym à 75 ans, lui aujourd'hui il ne peut même pas marcher.
et il a l'épilepsie, il a Alzheimer, il a Parkinson et il a la prostate en même temps. Ah. Il a la prostate. Ah, c'est qu'il est malade. Il Mal même. fait un bruit dans l'oreille. Non, il est très malade. Et c'est pourquoi les gens l'ont Il n'a libéré. pas le temps. C'est pourquoi c'est un individu qui est en fin de vie. C'est un individu en fin de vie. Moi, il y a un vieux qui m'a dit ça. Au coup, c'est lui qui a dit que Dieu n'est pas jugé longtemps. Son neveu voulait rester tout ça longtemps. Il dit comment ça l'a dit. Mais après, il avait s'arrêté devant. Et tout le monde avait peur de lui, même des plans. Oh, mais quoi, on n'a rien compris. On a bien pris quelqu'un qui est capable de venir. Il dit, ah, la vieille, donc c'était plus c'est ça. Oh, mais avant, les gens n'ont rien compris. Quoi, c'est maintenant les gens comprennent. Quand la vieille m'a dit ça, il dit, ah, mais le fond, c'est quoi? Mais je ne savais pas le soir. Je ne sais pas où dire, les madame là a parlé, puis j'ai dit, merci. Il y avait des choses. Non, puis merci, merci des histoires. Je ne connaissais pas, franchement. Il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres questions? Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Ah, Dieu merci. D'accord, vous êtes en direct en ce moment? Ah, et la famille? Oui, la famille va très bien. La famille va bien. Et chez ah, vous-même? Oui, ça va, Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous passer la parole. D'accord, ok. Vraiment, éclairer, vraiment, je te remercie infiniment. C'est que nous-mêmes, tellement nous-mêmes, on a abattu, mais moi, je ne sais même pas où toi-même tu vas puiser vraiment tout le fort que tu as pour nous éclaircir la l'antenne, quoi. Vraiment, je te dis infiniment merci. Éclairer, vraiment, moi, je te pose des questions. Les chefs religieux, là, ils ont été. Ils ont créé les chefs religieux pourquoi? Et vu ce qui se passe sur le net aujourd'hui, vu la vie de Babola, qu'est-ce que les chefs religieux et les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok. Vous êtes musulman, n'est-ce pas? Vous êtes musulman, n'est-ce pas? Oui, je suis musulman. Ok. Je vais vous donner une écriture de l'hadith de Boukhari. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire? Si j'entends très bien. Il y a un écrit de l'imam al-Bukhari qui dit ceci. Il dit, à la fin des temps, les églises et les églises, les mosquées et les églises seront pleines, mais la foi sera dans le firmament du ciel. Ça veut dire, tu vas trouver, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de mosquées, mais la foi sera comme si tu voyais une étoile qui est dans le ciel. Et donc, ça veut tout dire. Si c'est sur les religieux que vous comptez, malheureusement, ça, je te le dis, ton problème sera jamais réglé. Parce que, avant toute chose, ces religieux, ce sont des hommes. Et souvent, il y a des réalités de la vie qui font que ces religieux ne peuvent pas toujours dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Je ne les condamne pas, je ne les justifie pas. Mais je veux dire que quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, et l'Église catholique même aujourd'hui, à travers Koutouan, qui est devenu un militant de l'opposition, est-ce que vous vous attendiez à ce que ce monsieur-là puisse dire la vérité? Je pense pas. Est-ce que qui a livré Gay Robert aux escadrons de la mort? C'est M. Adré. Voilà. Voilà. On a aussi vu certains imams en Côte d'Ivoire qui ont dealé avec le régime de Bédié contre leur propre, si je prends un exemple, contre leur propre fidèle. De la même manière que Koutoua aujourd'hui est en train de lutter pour son ventre contre l'Église catholique en Côte d'Ivoire, malheureusement, tu trouves la même chose dans toutes les régions.
Et donc, malheureusement, à un moment, quand tu vois qu'un pays ne fonctionne pas, c'est que dans ce pays-là, il n'y a plus d'hommes de valeur. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, au-delà des chefs religieux et des chefs coutumiers qu'on appelle les chefs de village, si on est dans un pays où il y a des hommes de valeur, ceux-là ne vont jamais attendre les politiciens. Ils vont toujours être en avant pour dire, nous, voilà ce qu'on ne veut pas dans ce pays-là. Et les politiciens n'auront d'autre choix, puisqu'ils sont issus du peuple, ils n'auront d'autre choix que de respecter ça. Mais quand des politiciens se sont mis devant pour faire tuer des leaders de partis politiques, quand des politiciens viennent soutenir une partie de la population pour dire « Ah, il s'est retiré des protestants là, il est venu maintenant du côté de l'église catholique », donc c'est comme si tous ceux qui étaient dans les églises d'évêques étaient des démons. Voilà la dernière sortie de couteau qui divise même la chrétienté en Côte d'Ivoire. Parce que les mots qu'ils ont dit à nos frères des églises éveillées après des églises, choses là, c'est pas bon. Ah non, il a quitté maintenant, il a quitté le côté du diable, il est venu maintenant dans le Christ. Alors que ces mêmes personnes estiment qu'elles sont en train de servir leur foi. Et donc, vous voyez un peu le drame dans l'affaire. Et donc, moi, je me dis que simplement, si vous voulez compter sur nos hommes religieux, ce serait faire fausse route parce qu'on n'aura pas véritablement ce qu'on veut. Parce qu'ils ont aussi leurs limites et nous les voyons en face de nous. Malheureusement, c'est ça aussi la triste réalité. Vraiment, j'ai mal pour le président, quoi. J'imagine, est-ce qu'il arrive à dormir? Parce qu'avec toutes les structures qu'il met en place, mais rien n'avance. Les chefs religieux et les chefs coutumiers, c'est eux qui devaient sortir pour dire oui. Voilà, il doit faire une conférence. Mais ce que je vous ai dit, si vous avez compris ça, si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous n'allez pas vous attendre à quoi de positif, quoi que ce soit de positif de ces personnes-là. Donc, on les met derrière et puis on cherche des solutions ensemble. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Par exemple, l'ensemble des chefs de village, le chef des chefs de village, des chefs coutumiers est sorti pour dire que, dans le contexte de non-respect des lois de la nation, lui, en tant que le représentant officiel de tous les chefs du village, eux ne pourront pas aller accueillir Laurent Gbagbo tant que Laurent Gbagbo et puis le gouvernement ne disent pas le même langage. Mais après, le lendemain, vous avez vu un groupe de chefs de soi-disant chefs d'Anono qui sont sortis pour dire qu'eux sont contre les chefs du village. C'est pour vous dire que quand on est dans une nation où tout le monde est tenu par son ventre, ou bien ses intérêts égoïstes, on perd automatiquement les bonnes valeurs. Et une fois que les bonnes valeurs sont perdues, on ne peut que maintenant compter sur la bonté divine et puis aussi faire beaucoup d'efforts. Dieu merci, on a encore une grande chance qui est Alassane, qui malgré tout ça, il est très lucide et il essaie de faire l'effort qu'il peut. Mais comme vous l'avez dit, c'est un homme. C'est pourquoi souvent nous frappons un peu sur les cadres pour leur dire aidez le vieux. Parce que pour un homme, il en fait assez trop. Et essayer d'être autour de lui pour quand même lui donner la joie qu'il faut. C'est ce que nous pouvons faire en parlant. Vous avez d'autres questions? Non, c'est ça tout. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non, merci beaucoup. Bon courage à toi et nous sommes avec toi. Il n'y a pas de problème. Vous passez une très bonne soirée. Merci à vous également. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir Éclair. Bonsoir toute la classe. Bonsoir. Merci pour tout. Bonsoir à tout le monde. Mm-hmm. Maman Blanc, tous nos auditeurs habitués qui nous écoutent, qui suivent l'émission, Madame Kanté, Socrate, Smdiana, Roi, Yann, tout le monde.
Éclaireur, je voulais juste m'exprimer un peu sur, enfin, vous apporter aussi mon soutien par rapport à la BRCI. Je ne vois pas trop d'avancées depuis, d'autant plus que presque tous les soirs, vous répétez là-dessus. Et je ne sais pas si... Bon, je sais que vous n'êtes pas sur place, mais il faut, je pense qu'il faille quand même trouver des gens, constituer un groupe et puis faire beaucoup de tapage avec ça, parce que la façon dont vous envoyez le message, c'est un peu trop souple, à mon avis, pour que ça fasse effet. Donc, chercher peut-être une médiatisation et puis faire une médiatisation là-dessus et puis voir ce que ça pourrait donner en même temps que choisir, enfin, saisir, pardon, la justice. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais bon, il faut trouver un autre procédé, en fait. Oui, mais c'est ce que je disais. Dans la vie, chacun fait ce qu'il peut et on peut, à l'impossible, nul n'est tenu. Déjà, même sur notre plateforme qui regroupe pas moins de 10 000 personnes par jour, en parler, c'est déjà quelque chose qui ouvre déjà beaucoup de perspectives. Mais si parmi ces personnes qui sont autant victimes que beaucoup d'autres ne trouvent pas les mécanismes pour se demander qu'est-ce que nous pouvons faire, on peut pas, on peut rien faire, on va s'asseoir. Malheureusement, c'est ça la vie. Moi, je ne peux pas être à 14 000 km et en même temps me dédoubler pour être là-bas le matin pour poser des actions et revenir. Et donc, c'est aussi un prétexte pour moi de trouver des gens en face qui peuvent se proposer de faire des efforts, parce que la vie, c'est ça. Parce que depuis longtemps, comme vous le dites, nous sommes les seuls à en parler. Mais c'est l'arme que nous avons. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Oui, il y a d'autres méthodes, mais il faut être sur le terrain. Mais est-ce que nous avons des personnes déterminées et qui veulent prendre leur témoignage devant l'histoire pour poser des actions, c'est-à-dire même organiser des marches et des manifestations pacifiques? Malheureusement, nous n'en trouvons pas. Comme si le problème va se résoudre de façon miraculeuse. Et donc, malheureusement, c'est ça aussi la réalité. Et même comme vous le voyez, on demande aux gens de s'inscrire. Et les gens aiment nos émissions, mais malheureusement, on trouve très peu de personnes qui s'inscrivent. Et donc, finalement, ça prouve que les gens sont dans les émotions. Et vous voyez, vous, que c'est... Il faut toujours tout faire. Et voilà, les gens aiment tout ce qui est déjà cuit, bien préparé, et eux viennent se servir. Mais le monde, la réalité du monde n'est pas ainsi faite. Quand vous voulez quelque chose, il faut payer le prix. Et donc, dans les mêmes moyens que nous avons, moi, j'essaie d'en parler, en espérant peut-être que les autorités pourraient un jour entendre et se dire, mais effectivement, ce problème n'a que trop duré. Essayons de mettre fin. C'est pourquoi j'en parle constamment, avec l'espoir qu'on sera entendu. Mais tous ceux aussi qui veulent poser des actions pacifiques, de manifestations, moi, je suis largement en faveur de ça et je peux les aider à organiser pacifiquement, parce que plus on fera du bruit, ça va contraindre les autorités à nous écouter et à solutionner le dossier, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Il faut persévérer. En tout cas, la solution n'est pas d'abandonner, bien au contraire. Donc, c'est petit à petit sûrement qu'on y arrivera. Et j'en profite déjà aussi pour revenir un peu ici, Madame Aki, pour toutes les personnes qui écoutent l'émission, qui suivent l'émission. Le numéro, les adhérents de Londres, s'il vous plaît, venez massivement adhérer. Faites votre inscription sur la ligne qui est ouverte, qui est mise en place, qui fait le 07-423. 487-964. Ici, Madame Aki, je vous lance l'appel encore pour adhérer à ce mouvement qui est Prado Pro Vérité, qui est pour nous d'essayer d'arranger et évoluer quand même en Côte d'Ivoire par rapport à la gouvernance et tout ce qui doit se faire pour un pays en émergence. Donc, beaucoup de choses qui doivent être faites ne sont pas faites. Et ça, c'est dû au fait que, bon, on a une gouvernance, on va dire, on a des ministres, des administrés qui sont un peu à la traîne sur ce qu'ils ont à faire. Et nous, de nos différentes positions, on essaie juste de booster un peu
le mécanisme pour obtenir du résultat. Et c'est l'effort de chacun ou bien les petits gestes des uns et des autres qui font une force et qui font bouger les lignes. Et éclaireur, en fait, déjà tellement que il est aussi de notre devoir de lui apporter ce soutien-là pour lui et surtout pour nous tous, pour chacun, pour surtout nos familles qui sont derrière, qui souffrent, qui ont quand même besoin d'une vie un peu plus décente que celle qu'elles ont aujourd'hui. Et l'opportunité, plus que jamais, c'est aujourd'hui qu'on l'a. Ce ne sera pas après, c'était pas déjà avant, ce ne sera pas après. Aujourd'hui, il faut saisir ça et faire quelque chose. Nous sommes de grandes personnes, nous sommes des adultes. Prenons le temps de réfléchir, comprendre et décider de ce qu'il nous faut. Et pour que ça marche, vraiment, mettons-nous en tous. Et comme ça, on y arrivera. Je vous en prie, adhérons encore à ce mouvement. Et ensuite, le reste va se faire. Je vous en prie. Mm-hmm. Je vous rappelle encore le numéro pour les adhérents de Londres. 07 423 487 964. Inscrivez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'Angleterre, la ville de résidence qui est l'Angleterre. Donc, cet appel est destiné aux adhérents de l'Angleterre, aux concitoyens de l'Angleterre, aux compatriotes ici en Angleterre. Merci beaucoup. Éclaireur, je vous laisse. Sinon, voilà ce que je voulais ajouter. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Et surtout, avant de vous laisser partir, je vous dis merci pour le rappel, car le rappel profite à ceux qui veulent, bien sûr. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a deux témoins qui sont les mauvais témoins de l'histoire. Il y a d'abord le sang et il y a d'abord les spectateurs. Le sang, parce que quand on verse le sang, comme on le dit, le sang appelle toujours le sang. Et c'est pourquoi il faut se méfier et respecter la vie humaine. Mais là où je voulais axer mon analyse le plus, c'est que si vous êtes présent, vivant, et que en face des réalités de votre époque, vous voulez être un spectateur, sachez que vous êtes en train de commettre le plus grand crime, parce que ça va rattraper vos enfants et vous-même. Parce que si vous refusez de faire le bon combat aujourd'hui, sachez que demain, si vous-même vous échappez, vos descendants n'échapperont pas et ils se diront, mais qu'est-ce que nos parents ont bien pu faire pour ne pas lutter pour corriger certaines situations? Et donc, de facto, c'est une manière de dire que nos parents auront été des lâches et que leur vie n'a valu aucunement à quelque chose de meilleur sur la terre. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et chacun de nous doit se dire qu'il est capable d'être responsable de faire quelque chose. Et même à la limite de poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est ça le plus important. Ouais. Donc, justement, j'allais ajouter ça pour ceux qui ne comprennent pas encore, qui n'ont pas encore compris le but de ce mouvement. Prenez ne serait-ce qu'une minute, appelez, posez la question et puis voilà, s'il y a des éléments qu'on doit vous apporter là-dessus, on vous les apportera. Mais ne restez pas sans rien faire, je vous en prie. Et voilà, on essaie de faire bouger les choses pour nous tous. C'est pas que pour moi. Moi, j'ai pas besoin. Moi, de ma position, je vais vous dire, ce que je fais, je suis en Angleterre. Mes enfants sont ici. C'est pas eux qui iront bénéficier de tout ça là-bas en Côte d'Ivoire. Encore moins les petits-enfants. Donc, franchement, c'est pour nos familles qui sont là-bas. Sinon, égoïsmement parlant, il faut éviter, il faut faire quelque chose. Vous voyez? Donc, vous êtes ici, nous avons l'opportunité d'apporter quand même, de changer un peu les mentalités là-bas. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Faisons-le tous ensemble et on y arrivera. Ne soyons pas égoïstes. Et ne pas faire le peu qu'on a à faire quand même. Voilà, merci. Sinon, appelez, posez les questions pour comprendre ce qu'il faut faire et voilà, et qu'on s'y mette tous. Il n'y a pas de sinon, problème. Ça devient un peu fâcheux, vous voyez. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, bonsoir, Éclair. Vous passez une excellente soirée. On continue de suivre l'émission. Il n'y a pas de problème. Et donc, ceux qui veulent s'inscrire, c'est simple. Vous avez un nom de famille, vos prénoms, votre numéro de téléphone et puis la ville où vous habitez. Vous mettez ces quatre informations par écrit
vous les envoyez à Éclaireur Pro Vérité ou bien par Messenger ou dans le inbox, ou bien si vous êtes en France, vous contactez Madame Blanc, vous contactez Yann, vous contactez Madame Kanté. Et c'est notre représentante à Londres qui vient de vous parler. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter le roi du printemps ou bien même Monsieur Sundiata, qui se feront fort de vous inscrire. Et c'est important pour ceux qui le pensent. Et nous attendons toujours les inscriptions. Et nous mettons tout le monde au même pied d'égalité, parce que pour nous, tout le monde est véritablement important. Ok. Ok, donc nous en avons fini avec tous les appels. Et donc on va essayer d'être un peu patient pour voir s'il y a certaines personnes qui veulent appeler. Nous souhaitons, comme je le dis, qu'elles se signalent le plus tôt, parce que toutes les secondes qu'on perd, il faut dire que ça coûte vraiment cher pour moi, parce que toute seconde qui peut être économisée, il faut l'économiser pour gagner en temps. Et donc, s'il n'y a véritablement pas d'appel dans les 13 minutes qui suivent, voilà, on va conclure l'émission à 17h00. Et puis, les gens pourront se reposer. Et ça sera vraiment très intéressant. Parce que si on peut réduire le temps de l'émission, voilà, c'est encore plus intéressant. Mais il ne sert à rien de perdre le temps en attendant et puis à la dernière minute allonger les émissions. Ça, on ne peut pas se permettre ça. C'est un luxe qui coûte trop cher parce que le temps coûte cher. Chers frères, j'essaie de vous appeler. Donc, vous m'appelez maintenant parce que voilà, vous appelez. Si vous voulez parler, vous appelez. C'est ça la règle. Et comme ça, on pourra vous prendre. Donc, tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler maintenant. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, cher éclaireur. Oui, comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Vous allez bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et pareillement également. Ok, il n'y a pas de problème. Effectivement, nous sommes enchantés de vous avoir. Mm-hmm. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, je voulais échanger sur l'état d'esprit. Mmh. Ou encore l'état de santé de M. Laurent Gbagbo. Mmh. Il faut dire que voilà un monsieur qui est mal en point, mmh, du point de vue sanitaire. Mmh. Il n'est pas en bonne santé non seulement du point de vue mental et du point de vue physique. Allô? On vous écoute avec attention. Bonsoir, cher éclaireur. On vous écoute avec beaucoup d'attention, donc vous pouvez continuer. Oui, ça va bien. Oui, ça va, ça va. Vous avez un appareil qui crée des échos. Il faut que vous éteignez l'appareil parce qu'il y a un dysfonctionnement. Il faut que vous preniez les dispositions, sinon ça complique. Euh,
Donc, chers frères, quand vous appelez, essayez aussi de comprendre, c'est une émission que nous organisons. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs appareils, écouter l'écho et ça crée quand même un désordre. Et sincèrement, prenez ces dispositions-là pour nous faciliter aussi la tâche. Ça fait aussi plaisir quand même. Et donc, si ces dispositions sont prises, chers frères, vous pourrez quand même rappeler. Parce que moi, j'estime que quand vous voulez intervenir, c'est d'abord une occasion où vous parlez à des milliers de personnes. Il faut quand même parler une bonne fois pour qu'on vous comprenne bien. Mais quand il y a trop de choses pas prévues, parce que l'éclaireur fait l'effort quand même de faire les choses à sa façon, mais quand de l'autre côté, ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, si ces problèmes-là sont résolus, certainement que vous pouvez appeler à n'importe quel instant. Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher éclaireur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Allô? Oui, vous pouvez procéder directement. On a d'abord un problème de réseau avec vous. Et donc, continuez à parler directement, on va faire comme ça parce qu'on n'arrive pas à vous entendre correctement. Allô? Oh, vraiment. Ça va maintenant? Ça va maintenant? Monsieur, vous pouvez parler. Allô? Ah, ok. Et donc, comme je le disais tantôt, je disais que je voulais aborder deux points majeurs. D'abord, parlons de l'état de santé de M. Laurent Gbagbo et également parler de son état d'esprit actuellement. Il faut dire que voilà un monsieur actuellement qui est dans un désespoir, qui ne dit pas son nom en fait. Il a échoué sur tous les plans. Et donc, il vient avec un air de désespoir. Et, mais il ne le présente pas aussi officiellement. Mais il faut le dire, quand on regarde ses agissements et son attitude, cela laisse à désirer. Vous arrivez dans un pays qui est gouverné par un président. Et d'abord, vous venez de la CPI après avoir été acquitté. Et que le président de ce pays vous autorise à rentrer et même vous donne certaines faveurs ou encore vous fait certaines faveurs à pouvoir rentrer au pays. Quand vous venez, la logique voudrait quand même aller remercier ce monsieur, pas en tant que quelqu'un comme ça, non, mais de par sa personnalité ou encore de par la posture qu'il occupe. Parce que vous avez été déjà président. J'ose croire qu'on vous est respecté en tant que président. Et ce monsieur n'a même pas eu la sagesse. Et non plus, il n'a même pas eu un conseiller qui lui a suggéré cela. Et en cela, moi, je serai en train de dire, le monsieur, il est désespéré. Aujourd'hui, il sait qu'il ne peut rien gagner. Il sait qu'il a perdu, il a tout perdu. Et donc, il vient en prenant tout ce qui est désespoir. Et quand on regarde du point de vue santé, il est mal en point. Il est mal en point. C'est un monsieur malade, affaibli, qui arrive. Qu'est-ce qu'il peut vous proposer? Quel avenir ou encore quel espoir qu'il peut donner à cette population qui est en majorité jeune? Quel espoir M. Laurent Gbagbo peut proposer à cette jeunesse? Quand on sait qu'il est en fin de cycle de vie, bien sûr. Et donc, c'est pour dire aujourd'hui, nous en arrivons à une étape d'endoctrine. C'est-à-dire qu'il a endoctriné les gens. Et ces personnes qui le suivent, vraiment, je suis désolé de
le dit comme ça, je me pose des questions si c'est des personnes qui ont une vision pour l'avenir, quoi. Si c'est des personnes qui veulent véritablement construire un avenir à Dieu, pour eux, pour leurs enfants et encore pour leurs arrière-enfants. Parce que je me pose des questions aujourd'hui, j'ai l'impression que il n'y a aucune vision. Parlons de l'opposition, il n'y a pas de vision. On est plutôt engagé à brouiller tout ce que le président est en train de construire pour le pays. Et c'est l'ego qui a pris le dessus. C'est l'ego. Moi, je penserais à leur place, je penserais plutôt à l'intérêt commun. Je penserais plutôt à cette terre-là, commune qu'on a, notamment le pays ou encore la Côte d'Ivoire qu'on a en commun, plutôt de penser à assouvir notre ego. Et cela est déplorable. C'est déplorable. Quand on regarde cet état d'esprit, on comprend l'homme. On comprend l'homme. On comprend que c'est l'ego qui a pris le dessus. On comprend que son état d'esprit est tel qu'on pense à un intérêt individuel. On pense plus à une sorte de vengeance. Et cela vraiment laisse à désirer. Vraiment, vraiment. Et sans cela, je serai en train d'inviter pour ceux qui sont encore consciencieux ou encore tous qui pensent à un avenir à Dieu, non seulement pour le pays et en enfants, ils seront en train de penser plus à construire qu'à détruire, au fait. Et donc, en cela, j'aimerais encore saluer tous les élèves de la classe. Malheureusement, nous avons un sérieux problème de réseau avec le frère et je crois que nous l'avons perdu. Donc, on va toujours continuer pour ceux qui veulent appeler. On a encore pratiquement 2 minutes. Pour ceux qui veulent placer leurs appels, vous pouvez les faire. Sinon, à défaut, on va essayer dans pratiquement 2 minutes. Je vais essayer de clore l'émission. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, je vois qu'il n'y a véritablement plus de questions. Donc, on va définitivement clore l'émission. Et puis, je dis merci véritablement à tout le monde pour les brillantes interventions que vous avez eu à faire. Et certainement que demain encore sera un autre jour. Nous disons vraiment merci à tous ceux et toutes celles qui chaque jour font des efforts pour partager nos émissions et essayer aussi de suivre nos émissions. Et comme je le disais, on va se faire fort aussi d'insister sur le temps. Voilà, pour être beaucoup plus efficace. Si on peut être efficace en réduisant les temps, ça serait beaucoup mieux. Et ça va nous permettre quand même de pouvoir édifier les uns les autres. Parce que quand on perd trop de temps, ça devient quelque part quelque chose qui n'arrange pas aussi les gens. Et donc, comme je le disais, dans les débuts d'émission, ceux qui veulent appeler, vous pouvez vous signaler. Ou bien même déjà... En début, pendant les émissions, vous pouvez vous signaler, mais quand on doit perdre 5-10 minutes à attendre, sincèrement, moi, je ne peux pas. Voilà, moi, je ne peux pas. Chaque minute ici, en Occident, est très importante. Et donc, si on en tenait compte, ça serait vraiment très bien et ça nous permet de gagner en temps. Et j'espère que peut-être les jours à venir, les gens comprendraient le bien fondé de cette méthodologie-là qui puisse nous sauver du temps. C'est vraiment important pour nous. Et donc, surtout que l'émission est cadrée dans un plan, dans un schéma qui est connu de tous et qui est présenté. Et donc, si on a des avis, on doit être capable de savoir quand on veut parler.
et de dire, bon, je vais parler dernier, mais je peux lancer mon appel pour qu'on sache au moins. Mais quand on ne maîtrise pas tout ça et qu'il faut improviser, ça devient une perte de temps. Et donc, je dis merci à tout le monde. Et je souhaite que Dieu nous accorde toutes ses miséricordes. Demain sera un autre jour. Et on se retrouvera pour discuter de d'autres choses. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec chacun de nous. Merci beaucoup.